Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce Let's Play sur Foundation. Alors je sais plus trop où on en était. À chaque fois je reprends un petit peu à l'arrache. Ah oui, on avait dit qu'on voulait commencer à construire une zone ici de production de bois. Voilà, donc c'est ce qui est en train de se faire. Donc c'est très bien. L'argent, je suis over rich. On avait construit pas mal de fermes de blé en espérant que nos ressources de blé augmentent, mais ça a pas l'air d'être trop le cas. Donc bon. On va attendre, on verra. Là, j'ai un entrepôt qui est vide. Comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai un entrepôt là qui a aucune ressource? On va y mettre du bois là. Du bois et du bois. Je pense. Surtout qu'on a des gens dedans, c'est chelou. J'avais des gens affectés à cet entrepôt, mais en même temps il n'y avait rien dedans. Très bizarre. Le houblon, ça y va. C'est où que je le range? Là. Ah, le houblon. Oui, il fallait qu'on augmente ça, on avait dit. Je sais pas si je les assigne tout de suite parce que. Si j'assigne mes villageois tout de suite là. Je risque de faire baisser drastiquement mon stock de bois, non? On va voir, on va essayer. Un émissaire en approche. Pourquoi ça travaille pas là? Qu'est-ce qu'il fait ce forestier là? Aucun choix d'arbre n'a été sélectionné. Ah merde! Du chêne. Et du peuplier. Ça c'est du bois qui... C'est du bois qui chauffe ça. On a peut-être besoin de bois qui pousse vite aussi, j'en sais rien. Ah voilà, il pousse. Il plante. Il plante un peu de tout. Hein. Ok. Mes villageois, c'est un peu remonté. Ils ont besoin d'églises et d'habitations. Plus trop de ça, étonnamment. Merde, moi je voulais construire ici là. J'ai zappé. Bon, je construirai en face hein, s'il faut que j'augmente mon auberge. Comptoir de service, des bières. Ils servent des repas un peu. Hein. Ils ont ce qu'il faut en sanglier. Là, les sangliers, on en produit ou pas trop? Toujours pareil. Ah, ça va, ça commence à monter le sanglier. Peut-être qu'on va refaire une ferme. Est-ce qu'on a beaucoup? Est-ce qu'on a des sans-emploi? On a 300 emplois. Fromage, c'est bien. Putain, le pain, c'est la dèche, le pain. C'est chaud à faire monter le pain. Peut-être aussi que les scieries, où j'ai énormément de planches, voire même vraiment beaucoup trop, on va peut-être en couper une. Je crois que j'en ai deux, hein, les scieries. J'en ai une là et une là. Peut-être qu'une, ça suffit. Surtout que les planches, on n'en utilise vraiment pas tant que ça. Je sais même pas s'il y a quelque chose qui utilise des planches pour la production. Il y aura les tonneaux après, il me semble. Mais je crois que c'est tout. Non, moi je voulais sélectionner l'émissaire. Non, bah non, je garde tout. Hop. Voilà. Ah, il y a du gaspillage un peu de blé. J'en ai stocké. J'ai réussi à en stocker un peu. J'ai réussi à en stocker combien? 150, c'est pas énorme. Le pain, ça descend encore. Je vais me refaire une ferme de blé, je crois. Je
refaire une ferme de blé, hein, je pense. Je vois pas trop comment faire autrement. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là, les bûcherons de... Pourquoi je peux pas... C'est quoi ce bordel? Faut que j'enlève ça. J'ai trois bûcherons ici, mais je sais pas ce qui branle. Coupe pas le bois ici, si, ça y est. Là, ce serait pas mal qu'ils finissent de me déboiser tout ça, là, que je puisse faire un petit hameau ici. Je vais débloquer ça aussi. Hop. Je vais débloquer ça. Comme ça, lui. On va. Hop. Faire comme ça. On va grandir par ici plutôt. Hop. Et là, je vais faire une autre ferme de blé. Je vais faire une autre ferme de blé. Ferme de blé. On va la mettre là. Non. On va la mettre ici. Ok. Ok. Alors on va peut-être commencer. On va construire en premier un... Oh oui, j'ai les nouvelles choses là. Oh, un pont en pierre. Permet de traverser des obstacles. Faut voir si c'est plus classe quand même. Ah ouais, on peut mettre des trucs dessus et tout. Oh, des tours et tout. Trop bien. On verra plus tard, mais... Comment je fais, voilà. Et lui, le pont en bois peut rien faire du tout. Je crois qu'on va les remplacer par des ponts en pierre, ceux-là, pour faire des trucs classe. Hein. Faut que ce soit joli. Ok, donc là, j'ai les arbres qui vont commencer à pousser. J'ai des bûcherons. Ça va commencer à couper du bois, peut-être, un peu, non? Ça met du temps à pousser, quand même, les arbres. On va extraire tous ces arbres, là. Hop, tac. Il y a plus personne qui rejoint ma ville. Comment ça se fait? Il y a plus de place résidentielle. En même temps, ils ont pas envie d'aller nulle part aussi. Alors, ici, on va construire. Parce que là, pourtant j'ai un marché, là, il est pas loin le marché ici aussi. On va construire un petit marché là. C'est ici, marché. Là. Là, comme ça. On va avoir une étale ici de nourriture. Une autre étale de nourriture. Ah, une étale de produits de luxe. Ah, ok. Paf. Donc là, on va faire un truc rouge, un truc bleu, un truc vert. Hop, on va faire un petit truc un peu sympathique, un petit banc par là. Clac, des tonneaux. Des tonneaux ici. Hop. Là. Un petit... Donc, voilà. Clac. Bam. Ça fait bizarre ça du coup. Comme ça, on va mettre le banc. Hop. Voilà. Clac. Hop, commencer la construction.
Ok, comme ça on va être content. Il nous faut aussi un puits. Alors qu'est-ce qu'on peut vendre dans les étals de produits de luxe? Du coup, on va peut-être construire une étale de produits de luxe là pour voir. Ah oui, mais ça doit être pour vendre. Ressources de type luxe et nourriture de luxe. Qu'est-ce qu'on a comme nourriture de luxe? Je ne sais pas. Ok, des voyageurs qui passaient, mais personne n'a voulu rejoindre mon village. Fantastique. C'est génial. Allez, hop. Là, comme ça, on va pouvoir faire un petit hameau ici. Ouais, le puits, qu'est-ce qu'on a besoin dans une ville? Enfin, dans un petit hameau. À part ça, rien. Rien de spécial, hein. Non, rien de spécial. Bon, les trucs de construction vont venir de loin, mais c'est pas grave. Oh, le pain, le pain, le pain, le pain. De la nourriture de luxe, qu'est-ce qu'on a comme nourriture de luxe? La bière. Lingots d'or, les bijoux. Du verre. Ah oui, les verres, c'est pour faire des. Comment ça s'appelle? Des rosaces, enfin des machins sur les. Dans l'église. La bière, qu'est-ce qu'on a comme nourriture de luxe, à part ça, rien? Je ne sais pas. Ah, on a des nouveaux arbres. Une fontaine. Ah, c'est stylé. Oh, on peut mettre des nouvelles choses. Si je mets une fontaine, genre là, là. Clac. Commencer la construction. Stylé. Ça va peut-être me créer de l'attrait un peu. Une fontaine. Genre ici là. Clac. Petite fontaine là. Une petite fontaine ici. Là, ils ont un puits là. Et bah, y a pas de puits hein. Ils ont peut-être manqué un peu d'eau là. Ouais, y en a un là, remarque. C'est pas trop trop loin. On sait qu'on a besoin de booster l'attrait ici aussi. La fontaine, on peut la mettre ici. Clac. Commencer la construction. Ok. Très bien. Un émissaire requiert votre audience. Là. Du poisson. Ah oui, ça on peut l'envoyer. J'avais dit que j'allais avoir besoin de trucs de l'église. Je vais aider l'église. Hop, et on lui livre le poisson. Très bien. Ok. Maintenant, est-ce que je peux débloquer les trucs ici? Oui, ça y est. On va débloquer le monastère. Pour faire de la production de vin, un rucher. Et on pourra construire des vitraux. Bon, en fait, je peux tout débloquer, voilà. Voilà. Donc, on va pouvoir se faire un monastère. Où est-ce qu'on va faire notre monastère? On serait stylé sur l'île, là. Oh, j'ai une idée, on va se faire un petit monastère genre fortifié là. Des citoyens. J'ai pas besoin de trop de citoyens non plus. Hein. Ça me sert à quoi d'avoir plus de citoyens? Pour le moment, rien. En luxe, qu'est-ce qu'ils veulent? Du vin, du miel. Je pense que le miel, ça va être vendu dans les trucs de luxe aussi. Parce que là on peut pas vendre autre chose. On peut pas vendre du miel, non ouais. Donc ça va être dans les trucs de luxe, je suppose. Mais on n'en est pas encore là. Fromage, on est bien, c'est toujours le pain qui galère. Promotion, on va quand même essayer de se faire un peu
de monter les gens, hein. Hop, là tous les serfs, les soldats, on s'en fout. Ça sert à rien. Je gagne pas grand chose aux missions militaires, hein. Ça m'intéresse pas trop. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt pour le moment aux missions militaires. C'est vraiment hyper annexe ça. À moins qu'il y ait des trucs à débloquer. Et oui, peut-être qu'il y a un. Et oui, il y a peut-être des trucs à débloquer. Les besoins de luxe pour le moment. À part la bière. Ouais, la bière peut-être. Où c'est qu'on en est là? L'église, ça va, les habitations, c'est. Comment on voit déjà? Comme ça. Je vais mettre bonheur. On va descendre tout en bas. Ah ouais, alors eux c'est les mineurs, non? Fondeur. Fondeur. Fondre du minerai pour produire des lingots. Impossible de trouver une maison proche de mon lieu de travail. Lieu de travail. Ici. Oh bah tu te fous de ma gueule, il y a des maisons juste là. Ah mais elles sont déjà occupées peut-être. Il y aura d'autres maisons là-bas qui vont arriver. Du coup. Mais à part ça, je peux pas te. Besoin de maison. Les mineurs, je comprends. Le brasseur. Les brasseurs ici. Ah, ici, ils ont pas assez de. Ils ont des. Et oui, parce que mes maisons, je les déploie toutes là-bas. Et du coup, effectivement, les nouvelles maisons. Ou alors, il faudrait que j'arrive à promouvoir ceci là. Qu'ils soient dans des maisons. Mais je ne sais pas comment les trouver du coup. Ah bah il est là non? Carafinare, hop. Après c'est quoi? C'est les charbonniers. Charbonniers là. Hop hop. Les mineurs aussi. Également. Bon, pour le moment, attendez. On va attendre un peu. On va essayer de promouvoir quelques citoyens. Non, peut-être pas. Des roturiers en plus. Des roturiers. Les fromagers là-bas. Allez hop. Le meunier. Producteur laitier. Le tailleur. Pas trop non plus parce qu'on a le pain qui descend quand même vachement dangereusement. Donc ici. Ça y est, on a tout construit là. Donc on va pouvoir construire une zone résidentielle ici. Voilà. Hop. On va faire une petite zone résidentielle. Hein. Toc 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 toc. Voilà. Ici, on va leur dire qu'on a signé un villageois disponible. On n'en a pas. Ils vont manger eux. Fromage. Et. Ah, c'est pas fini de construire. Ok. C'est pas fini de construire et je suis en pause. Alors, tac. J'espère vraiment que ces fontaines, ça va booster le truc pour qu'il y ait des maisons qui se construisent un peu plus. Tiens, là, il y a des nouvelles maisons qui arrivent. Ok. Je sais pas si je fais des nouvelles fermes laitières ou pas. Ah bah voilà, là il y a plein de maisons qui vont se construire. C'est très bien. C'est très très bien. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On va extraire tout ce bois quand même. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Juste pour info. Oh la pierre polie, j'en ai zéro. Comment ça se fait? Je la vends. Je la vends. On va pas la vendre. On va arrêter de la vendre.
J'ai quelque chose qui les utilise, c'est pas possible. Ah oui, mais oui. Les fontaines, ça doit bouffer de la pierre polie, non? Les fontaines. J'ai pas regardé. Ah oui, 50 pierres polies quand même. Ah ouais, quand même. D'accord, alors j'espère que ça va être costaud, hein. On va plutôt mettre des arbres, hein. On va rajouter des cyprès. Hein, c'est sympa les cyprès. Clac. Clac. Hop. Bon là ça change rien. Ah c'est pas mal quand même, hein. C'est pas ouf mais c'est pas mal. Clac clac. Je sais pas si ça change quelque chose un petit peu légèrement. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout. Il vaut mieux construire des. Il vaut mieux payer cher, j'ai l'impression. La fontaine pour que ça se construise. Hein. Ça a l'air un peu plus craqué les fontaines quand même. Hop, voilà, ça me coûte juste de l'or donc je m'en bats les steaks. Vous voyez quoi? Hop, ça juste pour faire stylé là. Clac. Voilà, quand il y aura des maisons là, c'est bien. Il y a pas mal de maisons là qui vont se construire, c'est cool. Ça va faire de la place pour mes mineurs. Comme ça, mes mineurs vont être contents. Ok. C'est super. C'est super cool. J'en reviens pas comme ça s'est développé ma ville. C'est trop bien. Donc le monastère. Le monastère. J'ai débloqué plein de trucs là aussi. Les bijoux, ce serait bien que je fasse des bijoux. Non, le monastère en premier quand même. Ouais, si je disais les missions militaires, ça doit servir pour obtenir un chef-d'œuvre, à mon avis. D'ailleurs, on va essayer. J'en ai combien? J'en ai 5 soldats. On va essayer de tous les faire monter niveau 6. Ce serait pas mal. Mission disponible. Hop. Hop. Donc là, je les assigne tous, hein, de toute façon. J'ai que ceux-là envoyés. Hop là. Peut-être que ça me fera gagner un peu des trucs. Alors, je dois avoir un tailleur de pierre aussi quelque part là, ici. Lui il me construit des pierres à base de pierre. La pierre, je suis à fond. Je propose d'en stocker un peu ici, peut-être. Le bois, ça monte. Ouais, le bois, ça monte. Ah oui, c'est ça. Je vais bientôt avoir plus de charbon, moi, non? Non, c'est bon. Charbon, c'est bon. Ça a l'air d'aller maintenant que j'en ai mis 3 gars. Maintenant que j'ai mis 3 gars, ça a l'air d'aller, là, le charbon. On va attendre de voir. Ça c'est quoi ça? Le minerai de fer. Minerai de fer, minerai de fer. C'est full un hein, minerai de fer. Là j'ai 3 trucs, 3 emplacements de charbon donc c'est bien. Je peux amener d'autres minerais de fer. Voilà. Et les lingots de fer, j'en ai pas beaucoup, hein. C'est quoi qui produit du fer? C'est ça. J'en ai qu'un. J'ai pas beaucoup de fer, hein. Les lingots de fer, ils sont où? Là. Ouais, je suis à zéro. On va signer une deuxième personne ici. Ouais, parce que elle, il produit des outils. Je suis à combien en outils? 129. 129. Ouais, mais si je suspends la production. Je ne sais pas. On va les garder pour l'instant. Les repas, j'en ai pas mal. Les gemmes, j'en ai quelques-unes aussi. Touk touk.
Oh, mais là, les maisons, ça devrait aller maintenant. Ça devrait baisser, là. 9 villageois. Un villageois a manqué d'église. Je peux pas voir. Faudrait qu'on puisse détailler ça, voir lequel c'est, où c'est qu'il habite. Ça se trouve, c'est qu'il est trop loin de l'église, là. Ok, donc là je vais avoir plein de gens qui vont rejoindre mon village, je pense. Est-ce que j'ai des... Mince. Métier, oula. Oh, mais les maisons ça devrait aller maintenant. Ok, alors métier. J'ai 400 emplois. Les 100 emplois. Ah, tiens, il manque un brasseur là. Ça va me vider un peu du houblon. Le houblon que je stocke où d'ailleurs? Là? Non, là c'est la bière que je stocke. Là. Ah ouais, le houblon c'est blindé. Le houblon c'est blindé et le blé... Le blé c'est la dèche, hein, comme d'hab. En fait, il y a un moment, on arrive à zéro, on bouffe tout ce qu'on produit. On bouffe tout ce qu'on produit. On n'arrive pas à stocker le houblon. Le blé. C'est quand même dingue. Et le pain, ça descend, mais... Ah, ça descend, mais ça monte d'un coup, quand même. Hein. Pouf, pouf, pouf. On verra. Peut-être qu'il va falloir qu'on refasse... Qu'on refasse une boulangerie. Parce que la farine, on arrive à la stocker, elle. Donc, c'est pas trop mal. Le fromage, ça va. On est toujours aux alentours de 200, à peu près. On en stocke pas mal, on se débrouille bien. Le lait, c'est pareil. C'est vraiment ce pain qui fait chier. Hein. Ok, j'ai deux nouvelles personnes qui sont arrivées dans mon village. Oh, gardez mes troupes avec vous, ouais. Réussite très élevée. Ok. Donc là, eux, ils devraient être contents maintenant. Ça devrait augmenter, là. Ah non, 7 villageois, c'était pas 6 tout à l'heure. Ou c'était 9? Je ne sais plus. On verra. Ok, j'avais dit que je voulais construire un monastère. Ah mais si je veux produire du vin, il va me faire de la place. Parce que je suppose que ça se fait pas comme ça. À moins qu'on ait une grande île. Genre ici. Attendez. Je veux juste voir par curiosité si je prends le monastère. Ici. Je vais me mettre genre là. Tester. Ok. Alors il me faut une abbaye, une porte, c'est tout. Abbaye A, B, extension. Ah, c'est cool, on va pouvoir faire un truc trop bien, un cloître et tout. Excellent. Alors l'abbaye, à quoi ça ressemble? Oh, voilà, ça va me coûter masse de pierres. Va falloir que je booste ma production de pierres, tiens, ce serait pas mal. Est-ce que je suis monté un peu là en pierre polie? Zéro. Ok. Alors, décoratif, production de vin. Ok, donc le raisin, il faut mettre ça. Et après, dans ça, on ne sait pas du coup. Un rucher pour produire du miel. Un jardin médicinal. Produit des herbes. Ah, des herbes. Ça fait quoi ces herbes? Je ne sais pas. Ok, donc le monastère, ça va prendre de la place. Vraiment beaucoup, je pense, de place. Donc soit on se pose sur cette île et potentiellement on va s'étendre sur celle-ci. Par contre, ça va faire bizarre parce qu'on arrive dans le quartier là. C'est pas top ça. Hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Je le mets par là-bas. Hein. C'est peut-être le mieux par ici. Hein. C'est peut-être bien le mieux par là. Hein. Ouais, mais de toute façon, pour le moment, j'ai oublié, mais je ne peux pas. Il faut que je produise plus de pierres. Donc, pour produire plus de pierres,
Là, on a un truc de pierre. Là aussi, on a un gros truc de pierre. Donc là, on va faire bleu. Hop. On va construire une carrière de pierre. C'est un peu embêtant pour les habitations qui sont là, mais bon. Il faut qu'on puisse la stocker, cette pierre aussi. Ou je me remets une carrière de pierre ici, hein. Non, ça va faire bizarre. Je la mets là, hein. Ouais, parce que là-bas, ça va être trop près de mes trucs. Je vais mettre ma carrière de pierre ici. Hop. Avec une autre. Tailleur, cabane de tailleur de pierre. Que elle, on va mettre là, on s'en fout, hein. Ouais, là, hop, commencer la construction. Non. Là, il y a des routes, ils n'arrivent pas à construire d'arbres. Alors, on va la mettre là. Comme ça, ça coupera pas d'arbres. Clac. Ok. Et pour ça, il va me falloir un entrepôt de ressources. Qui, lui, on va mettre ici. Hop. Voilà. Celui-là, il est trop loin. Donc là, on va mettre le bois quand même, parce que le bois, on va essayer d'en stocker en masse. Voilà. Là, on a quoi? On a un emplacement qui est inutilisé. On a énormément de minerais de fer. Donc là, ça se trouve, on va bouffer du marbre aussi. Je sais pas pourquoi on a besoin de marbre. Oui, on a d'autres mines là-bas aussi. Faut pas oublier ça. Alors, le moine. Du coup, j'ai plus besoin de ça, franchement. J'ai tout débloqué là. J'ai plus besoin de ça, on s'en fout. Je garde tout. Ok. Ok, donc ça fait 32 minutes de vidéo là, donc on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Terminer ça, affecter les ouvriers là, la production de pierres taillées pour ensuite pouvoir construire une abbaye qui me produira des ressources de luxe qui sont du vin et des trucs, etc. Ok, très bien. Allez, donc sur ce, bah, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao.